frèm sèm kap tande m kap gade m la, m te di nou sa. Dossier assassinat Jovenel Moïse la, nou wè ke la justice américaine te gete condamné yon nan assassin ou la dan, et puis après ça, nou wè la justice américaine di ke yon close dossier ya, yon pal retourne sou li en mai 2024. Un an après. Pas qu'un problème. Hey, papa, non. Si nous ta compte ça kap fait là, nèg sa ou qui te impliqué dans tout le Jovenel Moïse là, ou bien tout nèg nous t'a de nos cités dans dossier assassinat Jovenel Moïse, nous t'a commencé passer loin yo. Qui sa bagay la yé? DCPJ, gè pou devoir, mette nan yon rapport clair, bien détaillé, depuis ce nèg qui nan pouvoir actuel là, qui impliqué dans assassinat Jovenel Moïse. Ou kon sa passe? Dans pile ti l'ancien information kap tombe, nous même nan fou rezo nan kanalou nou jwenn ti bagay. Mais on nous prend bagay qui tombe. Gen Gege Jessel kap dirijon média qui nan département sud de la Cameroun qui est le métronome. Li font tweet, li dit que selon source que le gagne au niveau de CPJ, il fait connait que réseau qui cause yo pas mettez nous une série d'autorités qui actuellement qui en place actuellement dans le pays, c'est parce que yo gagne des responsabilités dans l'état automatiquement, yo pas dans l'état, yo pas le tirer dans yo. Et bien, raison qui cause nèg yo besoin de pouvoir à vie, c'est ça. C'est parce que yo connaît automatiquement pas de pouvoir dossier Jovenel Moïse là a fini avec ça honnête qu'on est. Et mais qui t'aime parler nous pas de passer pas quatre chemins, pas de route pas bois, c'est maman petite Marie vente ses codes dans rien. Nèg yo touye Jovenel Moïse, c'est vrai, mais écoutez bien, l'écoutez madame ni qui c'est Martine Moïse qui pose une action clé. Martine Moïse faut passer dans Washington DC qui c'est capitale politique mondiale. Là elle parler avec deux monde. Gay espoir. Et fui travail là, fui contact ça commencer vini. Nous doit parole paraît blip. Mais pas oublier Jean Premier ministre la monte dit là, justice bon Dieu, c'est cabret bœuf. Justice pour Jovenel Moïse là, c'est cabret bœuf que lié. Il pas pressé. Tout doucement, tipa, à part toi, tu l'as pas avancé. Et mais action que Martine Moïse te pose, dans Washington, et puis l'elle te sorti Washington d'ici, il te débarqué dans un tribunal fédéral en Floride, il t'a porté plainte contre Lise de Moun. Ça a été suivi kap fait, et mai 2024, dans le pays États-Unis d'Amérique, pral gen crié, mais il a commencé à crier depuis le pays d'Haïti. Comment a fait juste ça qui est Walter ou c'est Voltaire qui a traité dossier deux pieds missiers dans un grain de soulier. Monsieur prend un zip, monsieur prend un pétrin, monsieur prend un trois-wa, monsieur entravé, monsieur prend un courant, et monsieur a un problème pour toutes les villes. Monsieur Bonjean entrave ya. Pas gen route pas bois. Monsieur pas ka passer par comme si pas monsieur gon mission ki nèg yo bali. Et c'est là m'te dit oui. Ti nèg si malheureusement l'argent menen yo, juge la pa kon kob. Mais il vin wè gros kob. Pour comme yo nèg ka vole ka pou fè gros kob pour protéger yo. Mais ki kote monsieur entrave. Ou gen plusieurs possibilités. Martine Moïse te bon chance. Ki chance que l'te ba ou? À travers avocat et service de renseignement li. Yo fait qu'on effectivement moins que t'es rentré dans l'appareil judiciaire là, yon nan moun ke non cité bien fort et qui était dans planification assassinat président pays ya qui c'est président Jovenel Moïse qui est le Paul Denis, c'est lui même qui met dans le système judiciaire là. Il dit déjà qui ça nous capable briller conflit d'intérêt. Qui ça nous capable briller conflit d'intérêt. Mais pour toute raison ça yo, li requise yo. Li bien écrit formellement, li mande pour déporter de dossier ya. Ou kembe intervention qu'elle fait ya, ou fait capital politique avec elle, ou piéger propre tête ou décider si ga adelante. Mais qui côté Martine Moïse, action Martine Moïse l'a détruit juste ça. Et juste la gue pour était pour la désosser sous terre avec Doum l'argent l'amel qui pas jamais ti loin, qui va le foutre petit tout madame au cancer. Ou comment ça m'a dit là?
Walter Wessé Voltaire Travé. DCPJ, voyez, yon lis moun ba monsieur, li voun rapport bien détaillé ba monsieur, et puis il mande, monsieur, pour que li décerne mandat d'arrêt derrière lis moun sa yo. Rapport DCPJ a besoin de yel. Par contre, si Stanley le KPD nous jouons, rapport 36 pages, qui a le jeune juge Walter Wessé Voltaire. Avec l'autre ancien rapport à tout, faut que nous gagnions le premier rapport qui te gagne près de 200 pages là, faut que nous gagnions le tout, parce que faut que nous allons faire un rapport de CPJ. Mais nous disons que c'est extrêmement important. De CPJ a privé. Mais qu'on a pour qu'on fait. En nous chavir Ariel, rapide vite pour nous mettre, soit mettre Luc Mandelil, ou bien commissaire Miskade, ou bien Stanley Lika, ou bien qui Philippe tout, qui Philippe Abvini. Pour nous remplacer Ariel, yon nan moun sa yo, a ban sécurité, pays ap vivable, n'ap changé déjà la police, n'ap peut-être déjà la police qui propre, qui clean, qui sens de responsabilité, qui remet pays, qui va prendre l'ordre dans mes blancs, qui va prendre dicté dans mes blancs, et puis n'ap peut-être l'ordre de CPJ. Est-ce que vous comprenez? Nous allons mettre l'ordre inspecteur général dans tête la police là. Nous prenons l'ordre police, et puis là ça de CPJ. Soit nous mandons 9000 rameaux, vin ba nou bourade encore, au niveau de CPJ, ou bien nous tournons avec 9000 rameaux comme déjà la police. Ah papa, fais-le pour nous. Sou ki nan mil ramon nan tête la police là avec un président qui responsable ou bien un premier ministre qui sens de responsabilité qui pas peur si dans contexte nous trouvons là nan mil ramon ba ba résultat n'a dit monsieur pas peur politique parce que nous couvri ou vient avec un rôle de CPJ là ça nous dit de CPJ ou gen toute autonomie ou tout pouvoir nan men pour développer toute capacité toute compétence ou nan rapport nan enquête ça ba nous yon rapport bien détaillé 1 2 3 4 nan ti sorti nan un rivé nan 100 ki moun qui planifier qui moun ki bail ki décaisser comme nan ki ban comme passé qu'est-ce qui te chita à gauche à droite pour te planifier qui te bail moyo d'assassinat Jovenel Moïse avec tout exécutant yo DCPJ a gen tout pouvoir pour ban ça et mais c'est sur route ça que nous braler mais ça nous était là nous rete Ariel pour nous retirer Ariel t'a gen dans un rapport c'est parce que Ariel dans tête pays a comment on va le comprendre DCPJ en travers avec elle parce que France LB là comme dit la police faut dire que les comptes non cité non c'est des bagailles que de bail pas qu'à faire. Et de fait, yon remet job. Yon pa, yon peur pour ne pas trouver tout. Yon a fait gros cop tout. Est-ce que vous comprenez? Yon a fait gros cop tout. Mais ma parle avec nous là pour trop. Pour criminel, yon pa tende qui t'aime pas avec nous. Parce que nous c'est famille, zami plateforme YouTube et pour tout. Nous a de ces jovenel là. Ap gan pile crié l'autre semaine nan. Nan kan, moun ki te planifié comme ça. Wendell Coctello, monsieur t'a pas fait stroke. Gen de bagay. Monsieur te se peuple ak pou pour foutre manchette sou tout vivant. Wendell Coctello, juge, pour fami ou ap gade ou parce que fami ou t'accepté pour t'aller rentrer dans tout le président pour te kage pouvoir pour te jouer ensemble avec ou. Mais espère que peuple ap prend ou traîne ou dans tout kafou, dans tout clair dans comme grand monde sans honte. Et ça yo, c'est des réponses proportionnelles avec crime que nous commettons sous président. M'a très sadique ensemble avec ou. Maman grand monde sans honte, sans que. Et m'a dit ou quel que soit côté où tu as caché dans le pays d'Haïti, ou ap kon sort pas très longtemps. Il est clair. C'est pas des menaces que vous avez. Et c'est des responsabilités, c'est des réponses que vous avez. C'est venger pour nous venger comme ça. Avec magistrat Walter, oui, c'est Voltaire. Magistrat, ou avez porte de sortie jusqu'à maintenant. Avec rapport de CPJ Baroua, ou avez porte de sortie. Ou avez pour désolidariser avec criminel. Ou capable de faire des cantations. Ou retirer qu'on choisit quand la justice offre ou là. Créer possibilité, camper raide de pays, gonfler force ou, dit pays, ou décider bah un résultat dans le dossier, dit vérité dans le dossier, ou bien sécurité. Et pour après nous-mêmes, nous avons campé là, nous avons pris de la République campé de yon, ou après nous avons fait rien. Magistrat, sous marée Ariel, ou un héros, oui. Sous marée Ariel, ou un héros, oui. Pendant qu'on fait zéro là, oui. Sous marée Ariel, ou un héros. Aïssé Fremsem, n'est-ce que tout y est président pour l'argent? N'est-ce que tout y est président parce que tout simplement, il dit que, on paye pas possible pour nous, 20 communes dans un département. N'a pas dépensé 10, attendez bien, 12 millions de dollars américains, plus 8 millions de dollars américains EDH, fait 20 millions de dollars américains, nous pas kage kou 24 sur 24. Président, quand elle dit ça pas possible, faut clirer un contrat, en plus ça n'est que un massacre. Oh, monsieur. Pour ça, nous qui mettons l'eau de Pachal? Oh, monsieur, je vais mettre l'image sur l'écran. Pour ça, tenez bien, nous qui mettons l'eau de Palotel? Nous avons des crânes tête li. Mais DCPJ dit que, effectivement,
dossier Jovenel Moïse là, il n'est pas qu'à arrêter impuni. Parce que c'est clair. Et ça, des CPJ dit. Des CPJ dit, magistrat, rapport autopsie, cadavre président Jovenel Moïse là, il révèle que, il y a crasé crâne tête président, ça m'a toujours apporté nos peuples là, même la seule sur l'écran. Des CPJ dit, magistrat Walter, rapport autopsie, quoi président Jovenel Moïse là, montre que nous avons crasé tout point, nous avons crasé tout zol, nous avons chiré à tout lit, nous avons dépalé au président, nous avons fait président tourner pas soi avec cartouche. Magistrat Walter, ou gen bagay nan mon garçon? Ou gen bagay nan mon parce que de CPJ, route que moi la prends là, son route sans pitié. Son route qui pa gen tete langue magistrat. Son route qui a gen problème. Son route qui gen pique en coin dans la dalle. Magistrat Walter, pas gen route pas bois. De CPJ, doué frapper pied la tête. Et là, nous faisons zone en Kalalou, nous jouons que de CPJ, la de CPJ, trouvez dans l'obligation pour que les fayons levé pied dans quatre dossiers, ça pour tout bon. Mais qui côté, n'est-ce pas un problème, n'est-ce pas paniqué? Martine Moïse, première dame de la République, te fait un passé dans un média international qui c'était France 24. Martine Moïse te fait des déclarations qui te en pile qui est sauté, qui te bat tête chargée. Il y a des gens qui t'ont essayé d'utiliser. Déclaration Martine Moïse là pour te faire capital politique yo. Mais ça pas passé. Ça pas passé et il pas capable passer. Bon faire nous tant nos petits bagages pour nous faire nouer côté nèg yo prendre en zip. Avec un pile intérêt. Tendez ça et puis n'a comprendre. Et après ça m'va le fond virer dans Carrefour feuille, m'a dit nous que bandi yo ba yo ultimatum de 72 heures pour tout monde Carrefour feuille quitter zone en net. Pour tout monde en bas, Magloire Amboise quitter zone en net, bandi yo ba ultimatum. Francel B. Kwazebral, Farel Kwazebral, m'a dit nous que, monsieur yo, au courant de sa kap fête là, c'est parce que yo besoin, Nations Unies sorti yon décision en faveur yo, 15 septembre kap vin la pour yo voye intervention militaire dans le pays d'Haïti, ça cause yo tout le monde n'a kap fait comme ça. Ça pour comprendre, avant comprendre. Pour Madame Martine Moïse. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Le 7 juillet 2021, le président haïtien Jovenel Moïse est assassiné par un commando de mercenaires colombiens dans sa résidence privée de Port-au-Prince. Son épouse, Martine Moïse, est également prise pour cible et elle est laissée pour morte. Mais elle survivra et elle est avec nous aujourd'hui depuis Haïti. Merci beaucoup d'être avec nous, Martine Moïse. Merci, Monsieur Perelman, et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de France 24. Alors, une question toute simple, bien, Martine Moïse. Deux ans après, comment vous sentez-vous? Comment allez-vous? Pour moi, je vais bien, si on peut le dire. Mais après un tel choc, on ne peut jamais dire qu'on va bien. Mais je prends soin de moi au fur et à mesure et au jour le jour. Et il faut dire que j'ai le support de toute une équipe dont je ne suis pas seule. Est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui en Haïti? Est-ce que vous recevez toujours des menaces? Je ne peux pas dire que je reçois des menaces parce que je prends des précautions. Je ne fais plus de rencontres publiques. Tout ce que je fais, je le fais par Zoom. Que ce soit des rencontres ou des interviews, je le fais à distance. Donc, je prends des précautions. Alors évidemment, il y a une question que vous devez vous poser depuis cette nuit fatidique. Qui a tué votre mari? Peu après, vous avez déclaré que c'était des oligarques, le système qui l'a tué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée plus précise des meurtriers, des commanditaires de ce meurtre? Depuis après juillet 2021, il y a le procureur Bedford et ainsi que la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, qui ont diligenté une enquête. Et suite de cette enquête, il y a des soldats colombiens qui sont arrêtés, il y a des personnages politiques qui sont actuellement en prison. Il y a 6 mandats qui ont été émis contre des oligarques et également contre des personnages politiques. Donc, je pense qu'à 2 ans après, on peut avoir une idée d'où ça vient. Mais vous savez que, et suite aux mêmes enquêtes, il y a le gouvernement actuel qui semble être impliqué. Donc, ça n'avance pas fort en Haïti côté enquête. Mais on a plus ou moins une idée de qui a fait tout ça. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça? Je ne le dirai jamais, je laisserai, comme l'enquête est en cours, je laisserai le soin aux enquêteurs de le dire. Alors, je vais citer
le New York Times, fin 2021, il a publié une longue enquête dans laquelle il affirme qu'avant d'être assassiné, votre mari était en train de dresser une liste de puissants politiciens, des entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti et qu'il avait l'intention de la remettre au gouvernement américain. Est-ce que c'est un récit fiable? Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? Si ça fait partie d'une enquête et que c'est la suite d'une enquête que ça a été dit, c'est sûrement fiable. Mais moi, je ne saurais le dire parce qu'il ne m'en a pas parlé. J'étais beaucoup plus axée sur le social que sur la politique. Donc, il y a plein de choses politiques qu'on ne discutait pas vraiment. Donc ça, je ne saurais le dire. Alors, je continue. Hein. Le New York Times affirme que certaines personnes se trouvaient sur cette liste, notamment Charles dit Kiko Saint-Rémy, qui aurait été un personnage central. Et c'est le beau-frère de Michel Martelly, l'ex-président d'Haïti, hein, qui avait un petit peu adoubé votre mari comme son successeur. Et d'après le journal, votre mari aurait commencé à enquêter sur les réseaux de Kiko, aurait fait arrêter certaines personnes. Et du coup... se pose la question du rôle de Michel Martelly peut-être dans le meurtre de votre mari. Est-ce que vous avez des soupçons? Bon, ce qui serait intéressant, c'est que cette liste soit rendue publique. Parce que moi, la liste, je ne l'ai jamais vue. Je ne peux pas dire qui était sur la liste et pourquoi cette liste existe, pourquoi telle ou telle personne était sur cette liste. Moi, je ne saurais le dire. Mais est-ce que vous pensez que Michel Martelly est totalement innocent de tout ça? L'enquête continue. Je pense que les enquêteurs, à la fin, pourront le dire. Mais tout ce dont je suis sûre, c'est que la vérité verra le jour. C'est qu'à la fin de la journée, tout le monde saura qui a fait quoi. Est-ce que vous pensez que la vérité verra le jour en Haïti ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt aux États-Unis? Il y a des enquêtes en cours et il y a quelques jours, hein, le 2 juin, Rodolphe Jarre, un homme d'affaires qui est à la fois haïtien et chilien, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle qui n'était peut-être pas central. On sait qu'il y a 10 autres personnes qui doivent bientôt comparaître. Est-ce que vous pensez que ce sont les Américains qui vont arriver à trouver la vérité et peut-être à rendre la justice que vous appelez? Pour la condamnation de M. Jean, je pense que c'est un pas vers la bonne direction. Mais vu la complexité de cette machine qui a tué mon mari, je me demande est-ce qu'il a la capacité, ni même les moyens financiers, de mener une telle opération. Parce que vous savez que c'est un crime et transnational. Très bien. Donc, les États-Unis ont fait un bon pas, comme j'ai dit, vers la bonne direction, mais c'est pourquoi partout où je passe, je demande le tribunal pénal international, parce qu'au niveau d'Haïti, ça piétine, ça fait du surplace. Donc, je ne sais pas si ça va avancer. Et le gouvernement haïtien avait déjà envoyé 2 requêtes aux Nations Unies pour demander ce tribunal pénal international. Jusqu'à présent, ces 2 requêtes sont restées sans réponse. Moi, je continue mon pèlerinage, je continue mon plaidoyer pour que mon mari trouve justice avec ce tribunal pénal international parce que je pense que c'est le dernier recours pour avoir quelque chose de fiable. Alors, lors des funérailles de votre mari, vous avez eu cette phrase qui avait marqué les esprits. Vous aviez dit « Les rapaces sont toujours là, ils nous regardent et ils rient de nous. » Qui sont les rapaces, Martine Moïse? Moi, je laisse aux enquêteurs le soin de citer le nom de ces rapaces. Mais tout ce que je dis, c'est ce que je sens. Parce que la façon dont mon mari a été assassiné, c'est pas quelque chose que du jour au lendemain, quelqu'un décide « Ok, je vais assassiner le président » et ça s'est fait. Donc, c'est quelque chose qui s'est bien préparé et qui a toute une équipe derrière. Donc, ces équipes sont des rapaces, ce sont des mangeurs d'hommes. Et quand ils vous mangent, ils mangent avant tout votre caractère. Ils vous détruisent au point de vue médiatique d'abord. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé avec mon mari. C'est comme ça qu'ils continuent avec moi. De temps à autre, vous entendez que Martine Moïse a fait ci, Martine Moïse a fait ça. Mais moi, je ne vais pas me démettre. Je continue à chercher justice pour mon mari. Et je continuerai parce que la justice, c'est avant tout pas pour moi, la veuve, ni pour mes enfants, ni pour la famille Moïse. C'est avant tout pour le peuple. Parce que le peuple doit enfin faire son deuil. Donc le président Jovenel Moïse doit trouver justice.
Alors, un des hommes qui faisait partie de ce gang, José Félix Badiao, aurait, d'après un document d'un rapport de police, que je cite, appelé le Premier ministre du pays, qui venait d'être nommé par votre mari, Ariel Henry, avant et après l'assassinat. Est-ce que ça signifie que Ariel Henry a joué un rôle, ou en tout cas a été mis au courant de ce qui se passait dans votre esprit? Donc, ce n'est pas dans mon esprit, c'est les enquêtes qui le disent. Donc, c'est la DGCL qui a donné son rapport et le procureur avait le rapport en main, la DCPJ a travaillé dessus. Donc, j'ai moi personnellement porté plainte contre le chef de gouvernement en place. Donc, d'après ces enquêtes, il est impliqué. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Alors, il est Premier ministre, j'allais dire de fait, parce que bon, le pays est dans une situation humanitaire évidemment, mais même politique très difficile. Il n'y a plus de président, il n'y a plus de parlement élu. Est-ce que Ariel Henry, qui lui veut aller vers des élections générales, peut rester en place ou est-ce qu'il doit partir? Mais est-ce qu'il veut vraiment aller aux élections? Parce que quand le président vous nomme, le président doit vous installer pour avoir un minimum de légitimité. Ils ont tué le président 2 jours avant. Donc, le chef de gouvernement qui est là n'a jamais joui d'aucune légitimité. Il se maintient au pouvoir d'accord en accord. Et pourquoi qu'il y a autant d'accords? C'est parce que les accords ne sont pas respectés. Donc, celui qui n'est pas respecté, on passe à un autre accord, ainsi de suite. Mais je pense qu'on a besoin de notre premier ministre avec un gouvernement de consensus qui pourra vraiment adresser le problème de sécurité, parce que je pense que le chef de gouvernement en place fait partie du problème. Donc, adresser le problème de sécurité, faire le référendum et faire les élections. Voilà ce qu'il nous faut avec un autre premier ministre et un gouvernement de consensus. Alors, vous avez parlé désolé, papa haïtien. C'est la Martine Moïse. Montre Ariel, il n'y a pas d'enjeu avec elle-même encore. Non seulement sur le plan politique, m'a fait politique avant vous, mais comme criminel tout, montre que m'a pas chum dans sa voix. Martine Moïse parti. Martine Moïse grandit politiquement. Elle commence à madrer. Ou après, l'heure qu'elle pour le sortir tête li, il sortit tête li, elle pour le faire prendre recul là, il prend. M'a dit, madame, nous avons bien joué. Mais si vous venez nous écrire avec Martine Moïse, yo empoisonné, yo gen problème yo, Martine Moïse sont danger pour yo. Faut que yo débarrasse de Martine Moïse, qui est impossible. Parce que Martine Moïse sont élément incontournable. Grâce bon Dieu pour nous, comme haïtiens, qui pas accepté pour nèg touye moun. Martine Moïse sorti vivant dans crime qui fait 6 7 juillet 2021. Et Martine Moïse a vive tout ça qui pral passer dans deux pays ça dans quatre dossiers ça. Kounya ki sa kap manigansé là d'après nous-mêmes. André Michel ou konnen ki t'a fait mandat pour te arrêter Jovenel Moïse et mandat tout Jovenel Moïse là dans cabinet de destruction. C'est lui-même encore avec même Mario Beauvoir ça qui a exigé un juge faire un mandat contre Martine Moïse. Il a demandé depuis un jeune mandat, il a ka fon bagarre ensemble avec elle. C'est quoi qu'on s'est parlé là oui? Mes amis brey, bon quitter nous tande Martine Moïse parce que la République pral gen problème. Pays s'attendait bien, n'a qu'à travailler pour une guerre civile. N'a qu'à travailler pour coup de manchette, pour coup de rache, pour coup de bâton, toute qualité bagaille net, rete là pour nous. Parce que la République est pour qu'on ait qui choye. Entendez, pour mesdames. La violence, on parle beaucoup de la violence des gangs qui semble hors de contrôle et des commentateurs, des observateurs internationaux, des acteurs de la vie politique haïtienne craignent plus grave. Ils craignent une guerre civile en Haïti. Est-ce que c'est aussi votre crainte, Martine Moïse? Depuis après juillet 2021, les gangs se sont multipliés au niveau de Port-au-Prince et également au niveau de la Tibonite. Mais je pense que tout n'est pas perdu. Si nos amis veulent nous aider, ils peuvent renforcer notre force de police et également l'armée pour combattre les gangs. Et le peuple attend cette aide depuis tellement longtemps, près de 2 ans alors. Donc, qu'il a commencé à mettre en place son propre système de défense.
Il s'est armé de machettes et va dans les quartiers où se trouvent les gangs pour pouvoir les tuer et faire que maintenant la peur change de camp. Dans le Justement, temps, mais c'est papa, le ici, peuple qui écoutez avait bien. peur parce que les bandits veulent Passage venir première dame, non, qui c'est Madame chez Martine lui Moïse, dans la pour le capitale tuer. politique mondiale, qui Maintenant, c'est Washington DC. c'est autre chose, Il a c'est un pile l'inverse. problème avec la classe politique Mais traditionnelle et coalition est-ce que d'assassins qui a vous assassiné appelez à Marie une et qui fait intervention de la tentative communauté d'assassinat internationale avec comme des buts l'affaire d'objectif sur Ariel lire. Henry ou est-ce que c'est Présence Martine inutile et Moïse, c'est dangereux? existence Martine Moïse même, sont Dans le deuxième véritables cas, dangers. en Ils sont menaces 2017, pour tout nous assassin avons qui eu touillait le président Jovenel Moïse une et qui manquait tout là. Défaite. Il intervention supposait amère comme à la ça. Mais pire gros problème C'est que le soldat qui était Ariel venu. Vient gagner avec Martine, c'est là Madame Martine Moïse campé sous Frise 24, il dit clairement, faut qu'il y ait un référendum qui fait, faut qu'il y ait élection qui fait, mais avec un autre premier ministre. Parce que le clair sous ça, n'est qu'il a pas pris rien. Au contraire, il y a juste de pouvoir pour protéger tête pour capable pas faire élection dans le pays. Parce qu'il n'y a pas voulu quitter le pouvoir. Et mais là, Martine Moïse t'a pral l'enjeu de très long sous nek yo. Et c'est là que t'as parlé que Martine Moïse pas joué encore. Stratégiquement parlant, madame dans la ville de Madrid. Politiquement parlant, elle vient grandir. Les connu qu'il a pour le sortir, les connu qu'il a pour le replier. Et mais je dis à papa ici, ose manger la gombombe. Ça son maman pimba, ça son pays proté. Mais après, plein que. Là, maintenant, nous sommes en 2021. Alors, en 2019. 19 février 2019. André Michel, avec Mario Beauvoir, Nenel Kassi, John Joel Joseph, t'es débarqué dans le cabinet de destruction, et t'as contre un juge qui s'est amis, qui est oligarque, t'es payé, t'es banné, yo, compris, le payé juge là, pour juge là faire un mandat d'arrêt contre président Jovenel Moïse. Comment juge là t'es relé? L'irrelé Jean-Roger Noël Sirius. En février 2019, ça, juge là fait un mandat d'arrêt à vrai contre président. Et mes peuples haïtiens, t'es bien. Mandat ça c'est lui qui fait tentative d'assassinat sous président coup d'état 7 février 2021 et c'est lui même qui rêvait tout le président André Michel son élément clé et de fait tout le joue pour voile parce qu'il était contribué dans tout le président et mais jodi qui c'est premier alors et septembre Rose Mongeant la maman Pemba Rose Mongeant dit même André Michel ça encore a bail pression avec un juge pour faire un mandat contre Martine Moïse ça veut dire que mission André Michel c'est achevé Martine Moïse tout et Martine Moïse et mes peuples haïtiens pour toute raison ça nous dit nous même Nous pas parler pour contre nous. Fon yon Rosemont j'ai un téléphone pour nous balaver. Rosemont, comment nous y est? Bienvenue sur la plateforme YouTube Foubeto. Vérité en amont du pays. Allez, comment nous y est? En pleine forme. À la lutte, Nabgoumen. Je dis à nous tous connaître. Le pays a connaître, moi je devant parquet de Port-au-Prince. Dans l'idée pour le commissaire Edgar Guillaume capable de transférer de ces plaintes nous poser contre assassin qui regroupé à travers CFPN. Ariel Henry a dirigé. Eh bien, nous te devons paquet pour te faire suivre ça. Deuxièmement, nous te devons paquet pour nous dénoncer. Deux manches. C'est pas seulement Rio Michel. Il y a des nègres en deux CSPN. Il y a des nègres en deux SDP. Mais moun t'a coordonné. Qu'a fait deux manches là. Qu'a fait manœuvre là. Qu'a fait pression sous juge. Qu'a voué menace. Intimidation. Pour faire juge, m'appelle Jean-Claude, capable de mettre un mandat d'amener contre Martine Moïse. Et il a dit juge là, d'après toutes données, toutes informations nous avons. Depuis, juge là-bas, il a un mandat, il a même pris ça pour faire pour Martine. Il a seulement besoin de juge à signer un mandat là-bas. Nous connaissons dans signer un mandat, by André Michel, Claire Espérance, et John Joel Joseph et la Beauvoir. Ce monde ça te met ensemble, il te fait complot, faire un juge bah un mandat d'arrêt contre Jovenel Moïse. Et c'était avec mandat d'arrêt ça il t'a senti où et madame Coctello. Wendel Coctello. Ça fait où qui a gagné mandat. Qui a gagné mandat contre Jovenel, ça veut dire de faire comprendre Jovenel pas président quoi, il était capable d'une exécuter une mission. Et quand ils arrivent au coup de route, ils transforment la mission d'arrêt en mission d'assassinat. C'est comme ça qu'ils tuent les Jovenel. Et ces mêmes routes-là, oligarques corrompus, malfaiteurs, assassins qui regroupent en dedans primature, après pression sur un juge que je connais qui est très sérieux, Nèg Jacmel, m'appelle Jean-Claude Sonnet qui est très sérieux, son est techniquement compétent, et Nèg yo a fait pression, hein, même manœuvre-là, sur m'appelle Jean-Claude. Pour que pour juge, m'appelle Jean-Claude Capable Bayo, yon mandat d'amener contre Martine Moïse. Ok. Ça veut dire qu'il s'est passé, c'est toujours même stratégie, hein? Râler madame nan, comme si soit arrêté li. Oui, yon a premier coup à te masser. D'ailleurs, ça yon dit, comment yon fait,
PPS la réunion, ça a discuté dans la réunion. Okay. Je sais qu'on est depuis matin demandé d'amener, avec question la, mon partisan a parlé de l'élection, oubliez ça. Avec mandat d'amener, qui a fait toute bagaille, Martin pas candidat encore. Oh, ok, ça c'est objectif. Je dis à ce candidat qui Martin n'a pas de sa pièce. Avec dit, même le mandat n'a pas exécuté, si Martin paraît tête, il y a deux mandats en amène, depuis Martin paraît tête, il y a exécuté mandat. La période que pour Martin, la période qui est importante pour Martin Moïse, là, il y a exécuté mandat. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il planifie dans la réunion. Mm-hmm. Ok, ok. Même qui a la tête là, là c'est un homme, c'est qui qui reste avec. Qui va s'y parler de Kirele, Claude Kirele. André Michel. Et André Michel là. Mm-hmm. C'est André Michel avec deux, trois autres mouns en DCSPN qui a pas copié bagaille ça. Mais jusqu'à présent, Bagadou, si menace arrive sous juge là, comme moi connais son juge qui a pile colonne vertébrale, c'est un juge très sérieux dans le système non. Et c'est là, nous, jusqu'à présent, information arrêtée. Ça veut dire, des gros pressions, des pressions d'argent, que tout offre qu'a fait pour acheter un mandat dans un juge, Martin Jean-Claude. Ok. Ça veut dire, monsieur, heureusement, je suis là. On paye facile pour nous, monsieur. Alors, on a mis un boule figure tout le monde pour André Michel quand il fait toute qualité de déclaration ou impliqué dans tout le président. Et c'est où qu'elle fait mandat. Mandat qu'on va le faire, c'est le mandat de sacrifier tout le président. C'est tellement payé facile pour nous, heureusement, Jean. M'a dit ça, moi-même, m'a dit dans le stadion hier. M'a dit que Nagyo, son équipe Nag qui blie tête yo. Non sens, ça veut dire que yo vin tellement à l'aise. Ça veut dire qui ça? Nagyo achète son doum gasoline. Beaucoup de gasoline dans bon côté yo, doum gasoline dans sans bouche bon côté yo, et puis au chaque ralon briquet avec cigarette y a fumé heureusement Jean. Son pays qui fragilisé, n'est quoi assassiner nos président? Et ben je dis après n'est quoi caler corps dans pays, dans mettre bol figure tout le monde. Malheureusement gagne un juge. Non, caler corps, caler corps, ambassade Canada, ambassade de la France, ambassade des États-Unis, département d'État américain qui met ensemble yo assassiner Jovenel et puis yo garantir n'est yo quand rien pas privé yo. C'est ça qu'on a parlé quoi, et c'est ça que fait chaque action nous fait pour nous arriver à aboutir à départ Ariel Henry. Eh bien, communauté internationale là, vini avec des manœuvres, soi-disant, il y a vini à CARICOM, il y a vini à OEA, en façon pour casser le mouvement mobilisation. Mais pour comme nous, on a pensé après, c'est bien côté mal calculé, dans chaque pari, on a été vini pour Jovenel Moïse là. Puis tu as assassiné Jovenel Moïse là, on va garantir pas venir dans sac là pour Martin Moïse. Et heureusement Jean, bon, nous connaissons déjà, nous pas qu'à vivre ça, nous vivons là 7 février 2021, nous vivons 6-7 juillet 2021, nous connaissons toute stratégie qui a été développée pour être président, et puis nous même comme partisans, ces partisans, qui défendent, qui gourmet pour camper beaucoup de Martin Moïse, et qui demandent justice pour le président, pour nous apprendre à gola, mais ça, est-ce que vous comprenez? Non, c'est ça que nous dénoncer d'avance, et ça m'a parlé là. Il y a plus de monde qui est au courant de ça, Mabdoula. Il y a plus de monde qui est au courant. On peut, cap mariner, pour soi-disant dire que Martin Moïse n'a pas répondu à l'invitation du juge là, eh bien, je vais te mandat d'amener. Non, ce n'est pas le juge là, ce n'est pas de volonté. Le juge là, jusqu'à présent, il a fait résistance parce que nous connaissons un monde très honnête, un monde sérieux. Eh bien, nous-mêmes, nous prenons des informations. Hein? Nous avons côté négatif après information, côté négatif après réuni pour cocoter complot contre Martin Moïse là, eh bien, nous disons que c'est inacceptable. Il y a un dossier devant la justice, et la justice se coule. D'ailleurs, nous ne parlons pas pour nous faire obstacle ni obstruction à la justice. Cependant, nous te disons, à travers l'avocat Martin Moïse, nous te disons qu'il y a une situation extrêmement difficile. Il y a retiré la sécurité Martin Moïse, mon qui a sécurisé Martin Moïse. Martin Moïse a tellement de menaces. Et là, nous connaissons aujourd'hui, sous route frère, par rapport avec question gang crasse barrière, nous te dit, Martin, notre situation est extrêmement difficile, que juste avec, dans tout respect, à tout respect que nous avons pour lui t'a renvoyé, pour nous, invitation pour madame Martin, capable de comparer devant le juge là, à une date qui, toujours, a discrétionnaire juge là. Cependant, Martin Bajamville pas pu répondre à invitation juge là. Mais nèg yo profiter de ça, yo di Martin pa boudé et invitation juge là, y a fait pression, yo di juge là, y a c'est une bonne occasion juge là joine pour bayo mandat d'amener ya, depuis juge là bayo mandat d'amener yo même y a fait ça au capable avec mandat d'amener ça. Et heureusement jodi an
Alors, et ou al déposé plainte pour contre alors dans paquet, il y a des plaintes qu'on déposé contre et chef coalition d'assassins. Et ou ban un petit détail sur plainte ça parce que en pile haïtien réagit sur intervention qu'on fait et dans média en ligne. Plainte déposée déjà. Très bien. Plainte là sont plainte qui est déposée déjà. OK. Le 18 août, depuis le 18 août, nous déposons plainte dans parquet avec constitution nous comme parti civil. Commissaire Edla Guillaume, il y a 3 jours francs que la loi Bali pour les transférer de ce temps par devant le cabinet d'instruction, selon le code d'instruction criminelle là. Jusqu'à présent, dans la grève, nous pas joindre une plainte là. Maintenant, nous décidons pour nous faire tout ça qui dépend de nous, pour plainte ça acheminer par devant le cabinet d'instruction pour criminel ça, qui cocotte massacre Tanaran, qui cocotte massacre Kafoufei, qui cocotte massacre Solino, massacre Liankou, massacre Savien, massacre Lesté, massacre Taba, massacre Petionville. Tout ou tard, monsieur Dan Sayo, qui est pour répondre des crimes ça. C'est chaud à même pour nous porter plainte là, pour demain, lorsque vous pas chef, parce que vous n'êtes plus pas chef très bientôt, et puis pour la justice capable de poser vos questions. Très bien. Et encore heureusement, Jean, il y a un DCPJ qui sort un rapport de 36 pages, je ne sais pas si vous êtes jeune déjà. Et bien, DCPJ voyait le rapport à la juge là, et le mandat juge là pour mettre un mandat d'arrêt derrière une liste de monde. Parmi les gens, ça a été limité pour que le juge là lance un mandat d'arrêt de Wendell Cocktail. Ça veut dire que le DCPJ a une capacité pour l'arrêter Wendell Cocktail le côté lié. Les mandats de juge là pour juge là mettre mandat d'arrêt derrière Liné Baltazar. Les mandats de juge là pour mettre mandat d'arrêt derrière et Harrison Ernest. Les mandats de juge là pour mettre mandat derrière à Ashkad Joseph Pierre et bien l'autre cinéaste qui ça. On liste des monde. Et l'un fouille zone Kalalou, nous jeune heureusement Jean, la DCPJ fait connait effectivement que des personnalités politiques qui en dedans pouvoir accès des autorités dans pouvoir. Ça qui fait non pas pourquoi capable figurer sur une liste, c'est parce que yo gagne des responsabilités étatiques dans le pays là. Mais automatiquement non pas sous pouvoir, yo pas responsabilité dans le pays encore, automatiquement yo pas le mettre non dans liste. Comment comprendre intervention ça? Comment comprendre ni scandale? Sous scandale. Ça c'est scandale. Ça c'est scandale. OK. OK. Sous scandale. Son scandale pour DCPJ dit, métallé. Son scandale pour DCPJ dit, parce que moun yo au pouvoir, yo nan pouvoir, yo pap mette nan yo sou lis assassin. Bon, ce pouvoir a été utilisé au fait crime nan, dans tous les pays du monde. Depuis yo jwenn de moun, de fonctionnaires l'État, impliqué nan crime, la justice a cherché au côté où il y a. Côté où il y a une fonction, la justice a pris, a cherché, a mis pas dans la collecture. Quel est le sénateur? Quel est le élu? Je parle de vous. Ou pour des dirigeants de facto. Eh bien, les gens ont fait tout ça au capable pour qu'ils aient le pouvoir, parce que le pouvoir pour le tourner, ils ont l'immunité pour eux, le pouvoir pour le tourner, ils cachette pour eux. Pouvoir pour le tourner, yon refuge pour yon, yon pas jamais mettre pouvoir en façon pour yon pas jamais répondre à la justice. Et, heureusement, j'ai quelque part tout capable de comprendre nos bagages. Qui ça qui passe? Nous pas comprendre ça. Il y a des pressions internationales tout. M'a dit que, même Jean, nous connaissons tout. En 2024, il y a une élection aux États-Unis d'Amérique. Et c'est un dossier qui va le bailler, républicain en pile force sous démocrate yon. Il y a des pressions qui ont mis en battable. Frédéric Lecomte qui est en tête de CPJ. Non, Frédéric Lecomte était cité dans la première tentative de coup d'État. Non, monsieur était cité et qu'il était au courant de coup d'État. Et monsieur était même invité spécial, invité d'honneur dans l'installation Yves Calda Brésil comme nouveau président provisoire dans la Paris nationale. Là, tout le monde a un conflit d'intérêt. Mais, et puis, on a dit que pour des CPJ, tu as joué soit Ariel avec Akolitli et impliqué dans le dossier assassinat au président. Pour DCPJ épingler comme si pour pas mettre un rapport, comme si pour dire comme ça que c'est retire c'est là pas au pouvoir encore. Mais c'est comme si Nadjo Frédéric Lecomte dit négo fait tout ça qu'il est capable pour qu'il pouvoir nous à vie. Est-ce que vous nous mon Jean? Fait tout ça qu'il est capable pour qu'il pouvoir nous à vie pour ne pas jamais remettre lui et puis malheureusement voilà.
Et est-ce qu'on l'a avec Rosemont? Il est tombé. Voilà. Et par rapport à ça, avec, oui, par rapport à ça, avec ça que DCPJ sorti, hein, c'est comme si m'a dit DCPJ conseiller Negyo, conseiller Ariel avec toute équipe qui au pouvoir qui impliqué dans tout le président, conseiller Okembe pouvoir pédit, créer tout moyen, Okembe pouvoir fort, faire tout ça qu'il est capable pour Okembe pouvoir nous, parce qu'il est venu perdre du pouvoir. Mais c'est ça que rapport. Et, bon, c'est ça que là. C'est grave. C'est grave. C'est ça que fait là. Tablier. Tablier, c'est un membre fantôme. C'est un membre fantôme 509 qui est directeur général à Hippolyte là. Ah, mon cher. Il y a la préférence. Attention. Il y a la préférence sous-directeur police centrale judiciaire. Ok, Frédéric Lecomte. Il y a autorité sous Frédéric Lecomte. Ça veut dire qu'il faut nous parler de tout ça là sous Frédéric Lecomte. Parce que Frédéric Lecomte n'a pas de autonomie dans sa affaire. Ok. Frédéric Lecomte fonctionnait sous rubrique commissaire gouvernement. On a regardé qui est nommé, qui moun qui nommé commissaire gouvernement. Et puis à partir de là, on a compris dans quelle situation Frédéric Lecomte est. Pas oublier Frédéric Lecomte qui a fait un rapport, il a falsifié le rapport. Okay. Léon Charles a falsifié le rapport, retiré ensemble de nous. Parce que c'est lui qui est directeur général de la police là. Il vient de mettre un autre directeur général à lui, qui est membre fantôme 509, qui planifie, qui participe dans faire préparation pour assassinat Jovenel Moïse. Ça veut dire qui ça? C'est pour nous regarder la situation Frédéric Lecomte, et la situation juge là, pour nous comprendre les moi-même m'a dit, autant que le pays a dirigé par une fédération assassin, par des criminels qui participaient dans l'assassinat de Jovenel Moïse, ils gagnent espérer que nous avons bagaille mieux que ça. Ça, c'est le monde qui pague, non, pague, c'est le monde qui pague, non, pague. Mais l'autre criminel, il y a des parents, il y a des papas, il y a des mamans. Et c'est ça qui fait où est, il y a toute complaisance ça, qui fait Yabdou, il y a un pouvoir, je dis, il n'y a pas qu'à mettre dans yo, automatiquement, il n'y a pas de pouvoir, il y a non yo. C'est parce que maman et papa, yo, fait partie du gouvernement qui l'a, et c'est ça que fait, ou que ça comme rapport. Mais situation compliquée, heureusement, Jean, parce que Jean Bagala est là, pas de passer par 4 chemins. Non, mais même déjà, dis-nous. Sauf si nous prenons pour mon fou, là, on a parlé. Pas de passer comme ça. Si nous prenons pour mon fou, ok. Mais si nous prenons pour mon seigneur, on a compris, moi, dis-nous déjà, autant que Ariel Henry pouvait la tête primatie, responsable, chef CSPN, c'est lui qui fait des ministres de la justice, c'est lui qui fait des ministres de l'intérieur, c'est lui qui nomme le directeur général police AU, pas maintenant tête tout, des serviteurs qui sont à la disposition pour le travail contre lui. Très bien, très bien. C'est ça, nous, le blocage institutionnel là. Allô? Oui, l'étape coupée. C'est ça, nous, le blocage institutionnel. Et c'est ça que fait nous, hein. Intelligence Martin Moïse permet de comprendre bagayo, l'aller Miami, li déposer une plainte dans le tribunal fédéral Miami. Mais en dehors des plaintes déposées devant le tribunal Miami, il dit ça pas suffit, la fait démarche pour un tribunal spécial international qui prend le dossier Jovenel Moïse en main. Parce que tout ce qu'a fait là, c'est théâtre, t'as fait juste pour blanchir bandits, pour blanchir criminels, pour Jovenel Moïse par une justice. Mais je comprends ça parce que yo pas ka fin touye Jovenel et puis yo même encore yo prend code maintenant tête yo il va mettre code dans tête yo négatif et il est très intéressant mais bataille la continue heureusement Jean et on ti mot tout heureusement Jean pour monde ka fou feuille parce que situation compliquée heureusement Jean il dégénéré et c'est là moi même quelque part grand pile bagaille que nous vinn comprendre et ça ka passé là gagné 15 septembre qui gagne pour vinn là Conseil de sécurité des Nations Unies pour réunir pour prendre décision et elle est capable de dire Nations Unies responsable secrétaire général des Nations Unies un rapport pour remettre avec Conseil de sécurité des Nations Unies sous le sous question bagarre sécurité dans pays d'Haïti il y a un pile monde qui dit clairement que pouvoir décider monter volume gang là oligarque compio décider augmenter capacité armement gang yo pour que gang yo effectivement capable river et faire nèg yo aboutir avec projet qui se joindre intervention militaire là un petit mot pour ça qui passer là très bien. Et est-ce qu'on l'a heureusement? Malheureusement, la communication a coupé de temps en temps. Wow.
le gouvernement fait un objectif pour bail au Conseil de sécurité, hein, pour bail Nations Unies, secrétaire général des Nations Unies, hein, matière, provision, pour être capable de préparer un rapport pour soumettre à Conseil de sécurité. Ça hein. veut dire, c'est ça que fait, ouais, tout ça, ouais, qu'a fait là. Tout ça qu'a fait là, il rentre dans le cadre pour préparer conditions pour. Vous connaissez, monsieur Tevin là, vous venez, vous venez faire exploration. Exploration, vous venez faire, qui côté vous allez, vous allez dans deux ambassades américaines, vous retournez là, vous rencontrez tout le monde, vous retournez. Or, si vous n'avez pas pour exploration tout bon, délégation après le Matissan, délégation après le village de Dieu, délégation après le Tossel, Tabac, délégation après le Savien, délégation après le Kaikoko et Ferras, délégation après le Monte Cafoufeuille, vous allez garder force. Bandi qui force des fois bandi yoge, on a l'air venu, yo t'a pété drone en l'air, yo t'a gété hélicoptère, ti avion même je Canada te fait l'air, yo t'a fait bluff là, mais ou compte ça yo k'a venir, Sénégal k'a venir préparer, k'a venir gérer bien Clinton, bien Clinton avec Obama qui saute au Kenya, ça veut dire moi je dis peuple haïtien, yo pas gagner, ça k'a venir faire ça c'est pas fait par yo. Si yo t'a aidé nous, yo t'a engagé l'armée là. Vous avez renforcé la mer, vous avez fait préparation, la police là. 800 militaires nous de là qui disposent, disponibles pour porter Kokuyo, eh bien, vous avez engagé M. Sao déjà dans la confrontation avec Mandio pour rétablir la paix et la sécurité. Mais tout ça est fait là, il est entré dans le cadre pour justifier l'arrivée Kenya en Haïti. Et c'est pour ça, nous dit 12 septembre, nos mobilisations, tête calée, nos devoirs, bureaux, bini, nos coquins chaînes de mobilisation, pour nous dire que nous comprenons et pour nous dénoncer ça qu'a fait là, juste pour l'histoire, retenir que nous ne sommes pas complices de ça qu'a dépourvu les Haïtiens. Très bien, et mobilisation a continué. Et alors, reprendre date mobilisation qui est pour faire pour nous, parce que en pile monde justement, et qui pas vraiment branché média traditionnel, qui branché média en Lyon, t'as même connu date. Reprendre date pour nous, comment ça a fait qu'il y ait des départs, tout bagay net. Mobilisation, n'a pas 3 jours mobilisation. Très bien. 3-4 jours mobilisation, sans campé. 12, 13, 14, 15. Devant Bini, pour nous dénoncer ça qu'a fait là. Pour qui ça? Nous voulons partenariat avec pays africains, frères nous. Très bien. Mais laissez utiliser comme esclave pour y venir là, nous pas accepter. C'est histoire Caïn avec Abel là. Nous considérons frères africains comme frères nous, et puis, pourtant, monsieur Kenyan a fait tête passer pour Caïn. Il a bien tué propre frère, puis il a fait plaisir aux Américains, au Canada, à la France. Si il a tapé de nous, il a pris un militaire, il a formé un militaire, nous, dans tout grand côté qu'il a fait, représentant militaire, représentant la médaille, la police tape dans un côté là, pour regarder qui plan, qui perd stratégie, il est capable de mettre en place pour faire face carré à la situation de sécurité qu'il a. Ce n'est pas le cas. Nations Unies déclaré li pa responsable aucun zak pour Kenyan yo. Li pa gagné pour ni de près ni de loin ni de très très loin avec pour Kenyan qui a déployé en Haïti. Pourtant c'est même Nations Unies ça qui a préparé rapport pour soumettre à bay Conseil l'ONU pour favoriser l'entrée l'armée Kenyan sous sol noir. Conseil sécurité a dit li pa prend charge aucun zak que troupes ça t'a commettre en Haïti, pourtant c'est lui qui prend une résolution pour y entrer en Haïti. Ça veut dire aujourd'hui, il y a un Kenyan qui entre en Haïti, qui touille, qui boule, qui viole, qui vole, qui fausse des armes. Quel tribunal, aucun instance international nous capote plus contre eux. Est-ce qu'elle est sérieuse? Alors que c'est eux-mêmes qui voyaient, c'est eux-mêmes qui cherchaient 200 à 400 millions de dollars pour bailler une vignes mission. Et puis, ou dit, ou pas responsable, Zakio. Est-ce que ça, c'est un responsable, Beto? C'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas, ça n'a pas de sens du tout. Et au contraire, ça qui est plus grave, là, permettez-moi de dire ça.
Comment est-ce que vous comprenez? Pas la pas clair même. Ou dit comme ça que ou pas responsable. OK? Et Nations Unies pas voyer force. Et puis c'est Nations Unies il a soumettre rapport d'enquête ou du moins ce rapport que vous fait et situation phénomène insécurité dans pays d'Haïti, c'est déploiement. C'est nous même y a porter le bas et c'est nous même qui bail approbation nous si que ça va déployer. C'est le pouvoir aval. Franchement, que Nations Unies. Franchement, est-ce que la générale Nations Unies avec toute l'autre même comme penser que et le 15 a gagné, ça nous capable de débattre on débat autour de ça parce que la Chine a présent, la Russie a présent quelque part comme son mais ça qui est important parce que peut-être capable de influence là-dedans quelque part parce que c'est les États-Unis d'Amérique qui a présidé conseil en avance très bien moi ta même que diaspora nous yo frère nous pour yo même tout ta devant Nations Unies comprends pour ça en avance le pour renouveler mandat ministre Bini. La Chine, la Russie toujours campé Wang, yon yon pas voté. Alors que kou yon venan vote, yon voté inanime. Yon joni inanimité, yon voté convenablement. Yon voté renouvellement militaire. Yon voté pour continuation Bini. Pourtant, avant ça, yon toujours plaidé. Ça veut dire, c'est Mekok Benko, c'est Haïtien pour descendre devant les Nations Unies pour dire, n'a combat projet génocide ça que nèg a planifié sous pays. C'est parce que yo su yo certain a yo génocide yo pas vle pour yo porter responsabilité a et bien puisque nous pas capoter plainte ni devant conseil de sécurité de l'ONU ni devant Nations Unies et bien yo propose yo de responsabiliser yo nous même qui intelligent faut que nous dénoncer ça et c'est pour ça maintenant la rue pour nous attirer attention dans la communauté nationale et internationale sous manœuvre génocide, le Canada, la France, les États-Unis, qui ont droit de veto dans l'ONU, a planifié pour être capable d'organiser sous territoire haïtien. Situation compliquée. Bataille, ça gagne la heureusement, Jean. Y a un petit mot pour mon cafoufé, yo, caf, mon Magloire Ambroise, mes amis, heureusement. C'est dans quatre batailles. C'est dans quatre supports solidarité. Très bien. À mon cafoufé, yo, qui fait jeudi à te devant paquet. C'est dans quatre batailles. Solidarité. À mon canarin, yo. Parce que moi, la police, le CPJ voyait mandat, bah, Macron, alors que si la police, c'est de bonne foi, il n'y a pas de quitter la manifestation, rivière Canaran. Si c'est dans la primatie, où il n'y a pas aller, la police a utilisé toute force, les gaz, tout le bagage, il a crasé la manifestation. Comme la police au courant, c'est mourir, il n'y a pas mourir, et ça, son action criminelle, il a quitté, il n'y a pas mourir. Et puis, il y a eu propose, il y a pris un pasteur Macron responsable. Si la police écrase manifestation, l'histoire de 1, Mako annonce manifestation, Mako fait conférence, Mako dit qu'il notifie la police, il met la police au courant, 1, il y a une police qui est responsable, il y a un communiqué sorti où il dit qu'il interdit formellement toute manifestation publique, populaire, prend route Canaran, de façon formelle, prend route de repos. Il t'a interdit. Et si on parle de pasteur Marco persisté, dans ma tébonnette, il y a une machine police qui est déjà devant l'église pasteur Marco. Est-ce qu'on comprend ça, Mdoula? Je comprends très bien. Ou clair sous ce dire. Dans la démarche que tu as péché, ça arrive. Et si jamais ça t'arrive, automatiquement la police tendait, il y a une bataille, il y a un coup de dame qui tire sous mon yo, la police t'a doué déployer pour séquer son nom, pour mener opération. Si il y a un qui pas mourir, si il y a un monsieur kidnappé, il y a récupéré mon yo. Parce que bonjour, ma femme, que t'es goumé. Yo quitte tout yé moun yo. Yo quitte yé boule moun yo. Yo pas faut qu'une intervention pour al sauver moun yo. Et puis, kounya yo propose, yo pète mandat, yo pète de CPJ, et pouvoir, pour mener enquête, pour chercher moun qui est impliqué. Yo pas qu'on essaie Jeff qui est impliqué canarin, ou yon sa bal bon Jeff. Yo pas qu'on compte Jeff côté, yo n'y adresse Jeff qui est en cachette, yo pas revendiquer lui. Tout ça est capable de faire rentrer dans le cadre pour justifier débarquement blanc. Et c'est peut-être ça nous porter solidarité à moun qui victime yo, condoléances nous sympathie nous à victime yo, et nous activer plainte nous gagner dans parquet pour que moun sa tota réponde par devant qui le doit pour crime exact yo te complice sous deux populations. Très bien, et pour nous finir heureusement Jean, jodi a moi Yannick Joseph a pour qui te kaili dans des phénomènes de sécurité dans zone en bas Magloire Ambroise tout bagaille. Qui ça dit heureusement Jean? Yannick Joseph, défend comme 69. Non.
ne vais pas parler sur ça. Je ne vais pas parler dans Yannick Joseph avec gang Genève. Tout le monde qui connaît des petits timounio dans Ophelina depuis France Beto. Très bien. Dans le jeu, j'ai des timounio, timounio pour une même de fait. Timounio pour une même dans situation difficile. Si tout l'école va l'ouvrir, mais j'ai préparé pour timounio pour faire deux, trois petits bagailles. Quelques bagailles pour timounio. N'a dit tout camarade, tout le monde qui habite à supporter timounio, à travers le téléphone, moi, qui c'est 31-14-20-87, qui c'est 31-14-20-87, tout le monde qui te fait un petit promesse, que des petits promesses, Westina, et de me permettre. Moi, je suis la vie de mon sang vivant pour demain matin, pour qu'il appli, pour Iso, pour Ariel, pas joindre mon sang pour servir des gangs dans la rue. Avec dit, nous aidons à sauver Timon. On nous pas parler de Yannick qui a des problèmes à Maril. On nous parce que Yannick pas des problèmes à Nomni. Nous prise des problèmes pour Timon sang demain si je veux, pour renforcer base gang. On nous cherche possibilité pour nous rester, nous sauver ça, nous devons sauver. Très bien. Kembela, Rosemont Jean, à bientôt. Merci. Merci, voilà. Ensemble avec nous, c'était Rosemont Jean de Fourneau d'Haïti. Et nous avons fait parler de ce dossier qui a dominé l'actualité dans la cour Port-au-Prince. Peuple haïtien, moun kafoufei, moun Debussy, moun Tirjo, moun Canapé Vert, mes amis, gonflez pour y être nous. Pays a pas gouverné, pays a pas dirigé, son groupe n'est cap touye moun, cap kidnappé, cap violé, qui besoin faire plus temps au pouvoir. Manchez pour y être nous, gonflez pour y être nous, qu'il y ait des âmes dans nous, toute qualité des âmes pour que nous défendons tête nous.